Donc, entre autres, qu'il faut faire une bracha avant de manger, ça c'est sûr. Mais bon, indépendamment de ça, on va aujourd'hui donc encore parler de la mitzvah de Shikra. Encore une fois, si jamais une personne est en train de moissonner son champ, et que en moissonnant, il a fait tomber des épis de blé, ou de ce qu'il est en train de moissonner, et qu'il les a oubliés, il a la mitzvah de les laisser, d'accord? Donc, nous on a dit, ça s'appelle Shikra, oubli. Alors la notion d'oubli, c'est une notion aussi dont on a essayé de définir un certain nombre de limites. Il fallait que ce soit un oubli volontaire, vous vous rappelez? Enfin, il faut qu'il sache qu'il a oublié. Voilà. Maintenant, on va voir une marque de Beth Shammai et Beth Hillel. Définition, est-ce que ça s'appelle oublier quand maintenant moi j'ai posé un endroit et que j'avais l'intention de le récupérer? Ouais, oublier, c'est faire tomber sans savoir qu'on l'a. Enfin, sans savoir. Sans avoir l'intention de le laisser là-bas. Mais maintenant j'ai posé un endroit et je l'ai oublié là-bas. Est-ce que ça s'appelle Shikra ou pas? Marque Loquette, Beth Shammai et Beth Hillel, vous allez voir tout de suite. Non, on va voir. Justement, Marque Loquette. Alors. Si j'ai l'intention de récupérer, c'est pas obligé. Non, mais attention, dans un champ, quand je pose des. Je viens de finir de moissonner, ouais. Et je posais les gerbes. Maintenant, j'en ai posé un endroit où j'en ai posé et j'en ai ramassé, j'en ai laissé. Ça s'appelle Shikra. Maintenant, si je les ai prises, coupées, posées à un endroit précis, à côté par exemple de ce qu'on va définir ici, des endroits où on a l'habitude de généralement laisser les choses, et que je l'ai oublié. Mais dans mon esprit, c'est pas que je l'ai oublié, et tant pis, c'est que moi je l'ai mis là, et que je sais que je dois venir le récupérer, mais il s'est trouvé que du fait de telle ou telle raison, j'ai laissé là-bas. Est-ce que ça s'appelle que j'ai oublié ou pas? Ça c'est la marque de Beshama Betilel. Alors regardez. « Aomer, Sheu, Samouch, Legapa, Velagadish, Labakar, Velakelim. » Si quelqu'un, il a posé des gerbes de blé à côté d'une barrière, à côté d'une meule, à côté d'une étable, où il y en a qui disent que c'est pas une étable, mais c'est Bakar, c'est l'animal de le trait. Non, ça suffit. Oh, s'il restait encore. Alors dans ces conditions, ou alors maintenant à côté de sa charrue, charrue, voilà. Il faut jamais mettre la charrue avant les bœufs, tu sais ça. C'est pour ça qu'on a mis les bœufs d'abord, ensuite la charrue. Bravo. Hein? C'est un principe établi que tout le monde connaît. Et donc, dans ces conditions, si jamais on l'a posé là-bas, Beth Shammai disent Eno Shikra. Ça ne s'appelle pas Shikra. Pourquoi ça ne s'appelle pas Shikra? Parce que moi, mon esprit, c'était de l'avoir posé là en attendant de le récupérer. Maintenant, je l'ai laissé, je n'ai pas été le récupérer aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que maintenant je vais le laisser indéfiniment et que je peux dire à n'importe qui de venir chercher. Non, moi, dans mon esprit, d'après Beth Shammai, ce n'est pas quelque chose qui rentre dans la mitzvah de Shikra. Une fois que j'ai fait, parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qui va différencier Beth Shammai et Beth Hillel? Beth Hillel disait que oui, ça s'appelle oui Shikra. Parce que Beth Shammai, il pense qu'à partir du moment où moi je suis rentré dans le process d'engrangement, de rangement des choses, ça s'appelle plus que je reste dans la mitzvah de Shikra. Ça, oui. Ça se tient aussi. Ça se tient. Hein. Généralement, Beth Hillel, l'Afrique et Beth Shammai. Puis Beth Hillel, je veux dire. Eux, ils disent qu'il y a l'île de Shikra parce qu'ils disent tant que maintenant il les a pas enlevés du champ. Alors on a bien précisé que c'était à côté de la barrière, à côté de la meule, à côté de l'animal ou à côté de la charrue. Donc là, ça veut dire qu'il est encore dans le champ. Donc il est encore en train de travailler. Donc la mitzvah de Shikra, elle perdure. Perdure. Vous avez vu, perdure? Très bien. Perdure. Et la mer? Qu'on va danser? Le monde est golfé. Perdure. La mer est molle. En tout cas, sachez une chose, c'est qu'il y a ici Marloquette, Beth Shammai et Beth Hillel. La définition de Shikra, elle est déterminée selon l'un par l'intention qu'on avait au départ et l'autre selon l'endroit, même si le process il est en cours. À partir du moment où je suis encore dans l'endroit où je suis censé moissonner, je suis encore dans le champ. Donc, on est encore dans le champ d'application de la Mishnah de Shikra. D'accord, les amis? Voilà ce que la Mishnah d'aujourd'hui nous a appris. Ok? Bien. Alors, le sifri qu'on va étudier aujourd'hui, encore une fois sur la paracha de Nitzavim, on revient sur le verset dont on avait déjà commencé à évoquer une partie hier, qui disait que que je vois au coup, il témoigne, c'est marqué comme ça dans la paracha, Haïdoti Bachem Hayom. Donc, j'ai témoigné sur vous en ce jour, et ta chamaïm va être arrêtée concernant le ciel et la terre. Achaïm va m'vet natati lefanecha, la vie et la mort j'ai donné devant toi, devant vous. Aberacha va akelala, la bénédiction et la malédiction. Ou bacharta bachaïm, et tu choisiras la vie. Oui. Lévi, oui. Leman tichie it ata vezar echa, afin que tu vives, toi et ta descendance. Oui. Alors, il y a un sifri qui ramène ici une discussion entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu la chose suivante. Regardez ce qui est marqué. Amar lo Akadosh Baruch Hu, le Shmuel Moshe. Amor la Em, l'Israël. Va leur dire à ces juifs.
Istaklou Bashamaim, contemplez les cieux, chez Barati Lashim Shech, les Shameshrem, que j'ai conçu pour vous servir. Shema Shinoed Midatam, est-ce que vous avez déjà vu que depuis la création du monde, les cieux ont changé? Ils ont changé leur signe. Non. Oshema Amar Galgal Chama Eni Ole Mina Mizrach ou Meir Lecholam Kulo. Est-ce qu'une fois le soleil a dit, tiens, ça y est, je vais arrêter de briller. Je ne me lève pas, je ne me lève pas. Je vais arrêter de briller à l'est, et je vais aller briller où je veux. Voilà, je n'ai pas envie de me lever. Ouais. Je n'ai pas envie de me lever. Istaklou, Baharet, Shebarati, Shamei, Shrem. Recontemplez cette terre que j'ai construite, que j'ai créée, pour vous servir. Shema, Shinta, Et Midata. Peut-être qu'il y a eu un changement depuis la création du monde. Shema, Zeratem, Ba, Velotim, Mecha. Peut-être vous avez semé et rien n'a poussé. Oh! Shema Zeratem Chitim Ve'eilat Sorim. Vous avez semé du blé, il est sorti de l'orge. C'est pas possible. Alors il dit voilà, Va'alo Devarim Kalvachomer. En fait, ce raisonnement que vous allez avoir, vous allez faire a fortiori par rapport aux cieux et à la terre pour vous. Uma Elu Shena Sulol Israr Velol Efsed. Cela, le ciel et la terre, qui maintenant accomplissent sans qu'il y ait notion de récompense ni de punition. Imzochim El Mekabelim Sachar. Si maintenant ils accomplissent ma volonté, ils ne reçoivent pas de salaire. Ve'im Chotim El Mekabelim Sachar. Pour un autre, pardon. Mais si jamais maintenant il viendra à fauter, ce qui est difficile à comprendre, mais alors c'est clair que de toute façon ils ne sont pas concernés par la punition. Ve'en Chassim Al Benem Al Benotem. Et non plus, ils n'ont pas de préoccupation sur le devenir de leurs enfants et de leurs fils et de leurs filles. Lo Shinu Et Minatam. Et pourtant, ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas changé d'un iota. Ils ont accompli tout ce que je leur ai dit de faire. Atem, vous les hommes, chez im zechitem, atem mekabelim sachar, que si maintenant vous méritez, vous recevez une récompense. Veim chatatem, atem mekabelim pour anout. Et si vous fautez, oui, vous allez, oui, par contre, être puni. Ve atem chassim malbenechem valbenotechem. Et vous, je sais que vous avez cette préoccupation maintenant que vos enfants se conduisent dans le droit chemin. Al achat kama vekama shatem srichim shelot eshanu et midotechem. A fortiori de fortiori du fortiori, que maintenant vous devez nécessairement ne pas changer des mitzvot que je vous ai données, ne pas bouger des commandements que vous avez reçus. Oui, intéressant, mais la vérité, ce qu'elle va faire, il est incompréhensible. Mais non, mais ce qu'il dit eshanu et midotechem, c'est quand même plein de sous-entendus, ça. Voilà quelqu'un qui est dans le Coran. Faut pas qu'il change. Non, midotechem, ça veut dire maintenant quelqu'un qui... Non. Quelqu'un qui est dans une situation... Quelqu'un qui est dans une situation de... Ah non, on a compris le texte, mais c'est quand même... Quelqu'un qui est dans une situation où maintenant on lui dit, voilà, tu sais, tu vas dire, ah mais écoute, je peux pas faire comme je veux. Il dit, attends, on va faire un raisonnement par Calvachomer. Déjà ceux-là, où même ils ne sont pas concernés par la faute et par la récompense, ils font ce que je veux. Toi qui es concerné, alors t'as intérêt à faire ce que je veux. C'est ça ce que ça veut dire. Par contre, ici, voilà, regardez ici, dans le bureau, ici, il dit Alenu Leavin et Hashvaa ben Hashamayim la'aretz et ben Adam. Il faut essayer de comprendre maintenant la briut. Comment on va comparer, pourquoi on compare les cieux et la terre avec l'homme? Hashamayim la'aretz nivreu les tafki des chabulvad. Le cieux et la terre, ils ont été créés pour quoi? Pour servir de ciel et de terre. Ouais. Le ciel, c'est marqué Hashamayim, Hashamayim kissi, va'aretz, Adam raglai. Le ciel est mon trône. Et mon marchepied, mon piédestal, ouais. En tous les cas, Leolam, Hem Omdim, Be Otomatsav, Vetafkidam, et Domishtane. Je veux dire, le soleil, il brille. Le soleil est là pour briller, donc on est là, merci. On est là pour dire maintenant, ah, mais tu vois qu'ils n'ont pas fait autrement que ce qu'on leur a dit. De toute façon, ils n'ont pas d'autre choix, ils ont que ça à faire. Le soleil va faire quoi? Il dit, tiens, allez. Aujourd'hui, je vais faire pleuvoir. Non, parce que le soleil est là pour briller. Merci. Le soleil donne, comme dirait notre ami Amar Laurent Voulzy. Le soleil donne. Alors, voilà, les matam, chavat adam mishtane be'etem, la nisibot. Par contre, un homme, sa fonction peut changer en fonction des événements. Oui, vous êtes d'accord? Er, efshar, litvoa, mimenu, shein ag, kashamayim va'aret. Comment maintenant on va dire, ah ben voilà, ayez un comportement qui ressemble à celui du ciel et de la terre? Mais le ciel et la terre, ils ont un tafkid, ils ont un but dans la vie, et ils font ce but-là, nous, en fonction des événements. On ne sait jamais. Et dis-moi, tu vois que par exemple, tu as des gens en face de toi, c'est des khmars, il faut s'adapter. Si tu es des mecs intelligents, ça c'est le cas. Nous, on a des gens intelligents autour de la table. Ouais.
Là, tout se passe bien, on est bon. Alors là, mais il faut s'adapter. Et on ne peut pas être uniface, on doit être multiface. Oui, il faut assurer l'interface avec des gens qui ont... Sans perdre la face. Voilà. Qui sont pile comme il faut. Pile ou face. C'est pas de sa faute. Sefer Be'er Yosef. Le Sefer Be'er Yosef Masbir. Qui a jva azom et la medet chez en mamash bedivre amitra kemim liton ki mishpete a Torah mat imim lazmanim avru veyesh le adekenam nefi roach hazman. Tout ça, c'est pour nous dire quoi? Que ça vient tordre le cou à cette idée reçue que certains sages veulent nous faire entendre en disant mais la Torah, ça y est, à l'époque où on n'avait pas de voiture, où il n'y avait pas d'ascenseur, ou maintenant voilà. C'était fastoche. On va leur donner, Faire le feu, c'était très dur. Maintenant, on a pu juger un petit truc. Voilà, maintenant, alors... est-ce que c'est plus fatigant de prendre la voiture pour aller à la synagogue que d'y aller à pied? Voilà. Entre autres. Ça, c'est la question qu'on se pose à chaque fois. Ou est-ce que c'est plus fatigant d'écouter une cassette du rabbin plutôt que le rabbin? Voilà, ou d'écouter la même voix. C'est pour ça que je suis enregistré. D'ailleurs, on dit bonjour à tous nos amis d'Israël, qui sont maintenant nombreux, donc on ne va pas tous les citer, mais en tout cas, Henri, Marc, on vous souhaite tous Yana Tova, et un grand Mazal Tov à notre ami Benjamin. En tous les cas, ici, le principe est suivant. Si jamais maintenant, on veut dire, voilà, la Torah est désuète, elle n'est plus de notre époque, ouais, on va leur répondre. Voilà ce qu'on va leur répondre. Il dit la chose suivante. Sachez que si on réfléchit sur le ciel et la terre qui maintenant se tiennent sur leurs obligations sans aucun changement, mais la Médette Otanou nous apprend quoi? La Torah, elle n'a pas changé. Elle ne dépend pas ni du temps ni de l'argent. Et là, Ilu Aïta Torah Mishtanit. Si on veut réfléchir, si la Torah a évolué depuis, alors maintenant tous les éléments qui sont dans ce monde, ils auraient dû évoluer en même temps. Le ciel aurait dû changer de ciel. Le climat se serait réchauffé, soi-disant réchauffement climatique. Parce qu'ils ont été créés selon la Torah, ve'im in ishtanta, si jamais elle avait changé, gam em ayot sekrim ishtanot, eux aussi ils auraient dû changer. Donc, s'il y a évolution de la Torah, il doit y avoir évolution de tous les éléments. Puisque les éléments, ils sont... immuables. Bravo, voilà. Ça, c'est ce que je voulais entendre. Si c'est immuable, si maintenant les choses, elles bougent pas, elles sont figées, statiques, alors forcément la Torah aussi, elle est figée. Et la Torah, elle est intemporelle. De même que les éléments sont intemporels, la Torah, elle est... En ouvdat, atif... Tifkudam, Beota Matkonet, Me'az, Briata Olam, Ve'ad Hayom. Leur rôle. Oui, c'est ça. Leur fonction. Oui, mais Aouda Tifkudam, j'ai pas compris la question. Beota Matkonet, dans cette. Matkonet, c'est. La recette. Oui, c'est ça, oui. C'est la quantité. J'ai regardé. La proportion et quantité. Matkonet, c'est les ingrédients. Quand tu fais une recette, Matkonet. Depuis la création du monde jusqu'à ce jour, mais la Médette qui a l'énou les kayem et la Torah kemat kunta, on doit accomplir la Torah comme c'est marqué la recette, comme la recette. Elle le dit bechol azmanim dans tous les temps. Qui fiche nitena lanou bimekedem puisque comme elle nous a été donnée à l'époque belo kolchinu sans aucune du temps jadis sans aucune transformation. Haïdoti b'achem ayom, c'est pour ça que je témoigne sur vous en ce jour. Et Hachem et Tarès, le ciel et la terre, ils n'ont pas bougé, donc la Torah n'a pas bougé. C'est ça que ça veut dire. C'est intéressant. Tournez la page. Allez, allons-y. Maintenant, on va essayer de dire des choses que je ne sais pas si je comprends, mais je vais vous le dire. On va faire le coup de couche. Voilà.